Buongiorno. Grazie, President. Thank you very much, Chair, for this introduction, and thank you very much for the Department of Environment, especially my colleague Selena. I'm very happy to be here in this interesting conference, but my English is not very well. I choose French for this intervention, but the slide is in English. Merci beaucoup encore et ravi d'être avec vous dans cette conférence qui traite d'un sujet très important, science et futur, contradictions et défis. Pour parler des contradictions, pour parler des défis, il n'y a pas pour moi mieux qu'un exemple concret. L'exemple concret que je vous présente, c'est l'exemple d'un pays en voie de développement, un pays méditerranéen que vous connaissez, c'est le Maroc. Nous allons voyager ensemble pour traiter d'une problématique très importante, d'une problématique d'une grande actualité, c'est la question des inégalités. Le traité des inégalités, on peut trouver comme chercheur plusieurs écrits, plusieurs résultats, mais les inégalités telles qu'elles sont traitées jusqu'à maintenant se sont intéressées essentiellement aux inégalités socio-économiques. Au Maroc, il y a une abondance des rapports officiels qui montrent que nous avons des contradictions, nous avons des défis, nous avons des enjeux qui sont très spécifiques et qu'on ne peut pas continuer à les traiter d'une manière linéaire. Il faut les traiter d'une manière systémique, écosystémique. Dans cette intervention, je rappelle, comme ça a été dit, je viens de l'Université de Marrakech, je viens d'un laboratoire pluridisciplinaire qui s'appelle Innovation, Responsabilité et Développement Durable. Et ce que je vous présente aujourd'hui, c'est la première étape d'un projet de recherche pluridisciplinaire qui essaie de voir ou de traiter la question du changement climatique et surtout l'adaptation au changement climatique en combinant les deux formes d'inégalité, les inégalités socio-économiques et les inégalités environnementales et climatiques. Mais pour parler du Maroc, parler du changement climatique au Maroc, on peut toujours rappeler le contexte international. La problématique du changement climatique, c'est une problématique planétaire, c'est une problématique de long terme, c'est une problématique générationnelle. Donc on voit très bien ici, et c'est juste un rappel parce que depuis hier et sûrement dans les autres conférences précédentes, vous avez tous et nous avons tous des idées sur les constats, les principaux constats, sur les principaux dommages et sur les dégâts et sur les coûts. Donc les constats, c'est que partout, il y a un déséquilibre du bilan Terre-Soleil, il y a une augmentation des émissions de gaz à effet de serre, il y a des manifestations extrêmes du climat, puis une augmentation de la température et l'élévation du niveau de la mer. Au niveau des dégâts, au niveau des dommages, ils sont nombreux, des dommages humains, des dégâts matériels, mais aussi une nouvelle problématique qui est liée au changement climatique, c'est la migration climatique. Nous avons l'habitude de parler de migration. La migration constitue aujourd'hui le sujet numéro un au monde pour les décideurs. Mais ce n'est pas une migration classique, c'est une migration qui est due aux extrêmes climatiques. Pour le coup, il y a plusieurs rapports qui traitent des coûts énormes, des coûts si on agit et des coûts si on n'agit pas. Donc la problématique du changement climatique sur laquelle on se penche dans le cas du Maroc, elle est planétaire, juste pour rappel, mais elle est générationnelle. Elle est aussi, changement climatique, c'est aussi un phénomène inégalitaire. Ici, on voit quelques chiffres tirés des rapports officiels. On voit que le changement climatique, il est révélateur de plusieurs vulnérabilité des personnes. Et les personnes les plus vulnérables
aux risques climatiques sont les pauvres, sont les vulnérables, sont les marginalisés, sont les personnes exclues du progrès socio-économique. Le changement climatique, il est aussi révélateur des inégalités entre les riches et les pauvres. Bien sûr, et dans le cas au niveau mondial, on voit très bien comment, comme vous le voyez, les 10% les plus riches qui accaparent plus de environ 50% de la richesse, qui émettent 50% des émissions de gaz à effet de serre, et les 50% des plus pauvres avec un pourcentage très très faible. Les inégalités aussi au niveau des espaces. On voit avec la deuxième illustration que les inégalités ou les émissions, les phénomènes, les manifestations des changements climatiques diffèrent d'un continent à un autre. Le Maroc, un pays africain, et l'Afrique, pour l'Afrique, le sujet majeur, c'est la pénurie d'eau, c'est la question de la sécurité humaine, liée d'abord à la sécurité alimentaire. Donc c'est un phénomène inégalitaire entre les gens en termes d'espace, en termes du temps, mais en termes aussi de questions de pauvreté, un sujet qui est toujours d'actualité, qui constitue la première occupation, pas uniquement des décideurs, mais aussi des chercheurs dans un pays en voie de développement comme le Maroc. Donc le contexte international, on arrive maintenant au contexte climatique au Maroc. Le Maroc, comme je disais, est un des pays méditerranéens les plus vulnérables au changement climatique. Aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter tous les résultats, mais les rapports sont clairs. Dès le premier rapport du GIEC, on voit qu'on est concerné et qu'on est situé dans une partie du monde très vulnérable. Le Maroc est vulnérable parce que c'est un pays à climat aride, semi-aride. C'est un pays où il a une situation géographique très spécifique entre l'Afrique, l'Europe, c'est la Méditerranée, l'océan, mais c'est un pays qui connaît une vulnérabilité intrinsèque, une vulnérabilité climatique intrinsèque. Et pourtant, le Maroc, c'est un pays qui est très peu émetteur des émissions de gaz à effet de serre. Donc, ce qu'on voit, essentiellement, les mêmes manifestations au niveau international, la hausse des températures, l'irrégularité et baisse des précipitations, augmentation de la fréquence des sécheresses, même si pour les gens qui ont déjà visité, qui connaissent le Maroc, on commence à changer la tendance. Et il y a des inondations qui sont de plus en plus importantes. Le mois d'octobre 2018, c'était un mois où on a connu plusieurs inondations avant le temps normal. Donc il y a plusieurs impacts, des impacts importants, mais des impacts inégaux. Inégaux par rapport au territoire, mais inégaux aussi par rapport aux groupes sociaux vulnérables qui sont souvent affectés d'une manière inégalitaire et d'une manière disproportionnée par les changements climatiques. Le changement climatique, c'est une problématique importante parce qu'il met en jeu les efforts d'un pays en voie de développement pour le développement, pour la soutenabilité, la durabilité de son développement. Ici, quelques images pour dire que le phénomène ne concerne pas uniquement le sud ou le nord. Vous avez des exemples de villes qui sont au nord, qui sont au sud, qui sont au centre, et on voit que le phénomène est très, très important. Donc, je m'excuse si les slides sont chargés, c'est pour que vous puissiez suivre avec moi avec le plus d'informations. D'habitude, je mets juste quelques mots sur les slides. Le changement climatique, si on regarde les objectifs de développement durable, si on regarde l'agenda 2030, c'est l'objectif 13. Hier, lors d'une présentation très intéressante, on a vu comment le changement climatique affecte tous les autres objectifs de développement durable, les 16 autres objectifs de développement durable. Au Maroc, c'est un défi.
changement climatique, il a remis en cause des efforts pour atteindre quelques objectifs de développement durable. Donc, pour ne citer que la question du stress hydrique, la question des pressions sur l'eau, la question de l'évasion des barrages, la question de l'exacerbation des problèmes de gestion de l'eau, les maladies, le risque de maladies hydriques, le risque et socio-économique avec des pertes d'emploi, surtout dans un secteur très important au Maroc, c'est l'agriculture. L'économie marocaine, avec tous les progrès réalisés, dépend toujours de l'agriculture. L'agriculture, à son tour, dépend de la pluie. C'est une agriculture généralement pluviale. Et autre façon de voir comment le changement climatique remet en cause les efforts de développement durable au Maroc, avec les crises et le problème dans le monde rural que nous allons voir, le problème de l'exode et de la migration, et aussi parce qu'il touche avec les inondations, et il touche les efforts dans le développement des infrastructures qui sont déjà commencées il y a quelques années. Les secteurs et les impacts en termes de secteur, en termes de thématiques, ils sont très nombreux. D'abord, la raréfaction des ressources en eau, les menaces sur la sécurité alimentaire, l'atteinte à la biodiversité, les risques sur la sécurité sanitaire, la fragilisation de l'espace littoral et le risque de la migration climatique. Un grand risque, on verra. Juste pour votre information, avant d'arriver à la question des oasis, c'est le dépeuplement de plusieurs parties des oasis marocaines. Donc ça, c'est des thématiques phares sur lesquelles, dans notre laboratoire, on a mobilisé certains doctorants pour traiter ces questions au Maroc, mais aussi on s'ouvre sur l'Afrique parce qu'il y a plusieurs ressemblances. Quand on regarde ces impacts, on regarde aussi ce que fait le Maroc pour l'atténuation et pour l'adaptation. Pour l'atténuation, c'est l'énergie et les priorités. Donc, c'est la priorité. On voit les sources des émissions et l'énergie avec 56,5% des émissions de gaz à effet de serre direct, suivi par l'agriculture, puis l'industrie, les déchets et aussi les changements d'affectation de terre, l'utilisation du sol. En termes d'efforts d'atténuation, et c'est là où le Maroc connaît vraiment plus de points au niveau international, c'est par rapport à l'énergie qu'elle est placée parmi les 10 pays qui sont les mieux notés par rapport à l'indice de la lutte contre le changement climatique. On verra ça plus tard. Mais au Maroc, il y a une véritable dynamique pour vraiment traiter les questions environnementales et climatiques. Mais il y a un problème. Le problème, c'est au cœur de la problématique d'aujourd'hui, c'est qu'on traite les questions d'une manière séparée. Il n'y a pas de synergie, il n'y a pas cette approche systémique pour traiter et les questions économiques, les questions sociales, les questions environnementales et climatiques dans une approche plus systémique. On traite de la pauvreté seule, indépendamment des autres questions. On parle de l'adaptation sans se référer essentiellement aux spécificités territoriales. Une vraie dynamique qui a été saluée par plusieurs organisations, mais surtout au niveau de l'atténuation et surtout dans certaines actions et stratégies, comme essentiellement la décision ou la volonté du Maroc de couvrir 50% des besoins en électricité en 2030 par des énergies renouvelables. Et pour certains collègues, ils connaissent le parc solaire Nour 2 et autres dans la région de Ouarzazate. C'est un des grands parcs solaires au monde. Et l'objectif, il est très ambitieux. C'est comment? Parce que, comme vous le savez, et pour votre information, la facture énergétique au Maroc constitue le plus gros fardeau pour les finances publiques. C'est
plus, c'est environ 95-96% du PIB. On paye très très cher l'énergie fossile. Donc il y a l'énergie, il y a aussi la question, il y a deux ou trois ans que le Maroc a supprimé les subventions au diesel, à l'essence, au mazout, etc. Pour plus d'efficience énergétique et plus d'économie des ressources. Il y a aussi le secteur agricole, la stratégie Plan Maroc Vert. C'est une stratégie qu'on essaie aujourd'hui de discuter avec plusieurs pays africains dans le cadre d'une grande initiative qui a été présentée lors de la COP22 à Marrakech, l'initiative Africa, Adaptation Agriculture Africa. Et ça, c'est un projet qui est financé par plusieurs organisations internationales et qui est piloté par le gouvernement marocain. Il y a aussi des efforts au niveau de développement d'une aquaculture durable et dans la préservation des eaux souterraines. Vous voyez là les grands chantiers par rapport à la question, surtout de l'atténuation, qui constitue pour laquelle on a conçu et en cours de financement plusieurs projets, essentiellement le projet de l'énergie. Comme je disais tout à l'heure, le Maroc, des collègues, mes collègues étrangers n'arrêtent pas de me citer à chaque fois que je les rencontre, qu'on discute les efforts, qu'on voit que le Maroc, cette année 2018, est classé 6e parmi les pays les plus performants, mais par rapport à l'indice performance changement climatique qui est publié chaque année. Donc il y a des efforts, mais il y a aussi des problèmes, des défis, des enjeux énormes. Donc je reste toujours dans les efforts pour vous donner une idée sur les grands projets de développement. Donc comme je disais tout à l'heure, au niveau de l'agriculture, il y a des réformes partout. Au niveau politique, constitutionnel, avec la nouvelle constitution 2011, il y a des efforts au niveau économique, le financement, l'investissement, des efforts au niveau de l'éducation, de la santé. Mais on est toujours classé parmi les derniers. Le Maroc est classé parmi les derniers dans l'indice de développement humain. Et là, on se pose des questions. On sait pertinemment qu'il y a des grandes inégalités au Maroc. Mais les inégalités se creusent de plus en plus. Et ça, c'est aggravé avec le phénomène de changement climatique. Je reste avec les projets de développement. Donc au niveau de l'agriculture, plan Maroc Vert, au niveau de l'industrie, il y a le plan d'émergence. Il y a, au niveau du tourisme, il y a la vision 2020-2030. Au niveau de la pêche, il y a un très ambitieux plan qu'on appelle Aliotis. Au niveau de du phosphate qui constitue une des richesses premières du Maroc, il y a la constitution d'un complexe, la transformation de ce complexe en mondial, l'extension et on voit plus d'infrastructures avec le prochainement le lancement des TGV, des grandes infrastructures au Maroc, et aussi des projets qui ont donné naissance à des créations d'emplois, qui ont créé des richesses. Parce que quand on voit l'évolution du PIB marocain, on voit que l'agriculture constitue toujours un secteur important, mais on constate qu'il y a l'émergence de nouvelles industries, ce que le gouvernement appelle les nouveaux métiers mondiaux. Essentiellement, si vous faites une recherche dans l'automobile, dans l'aéronautique, le Maroc a fait énormément de progrès pour essayer de ne plus laisser l'économie marocaine dépendante de l'agriculture qui dépend de la pluviométrie et du tourisme qui est un secteur très très fragile. Avec le contexte mondial, on ne peut pas toujours compter sur le tourisme. Comme je disais, une dynamique, des efforts, des initiatives. J'ai oublié de parler de l'NDH, l'Initiative Nationale de Développement Humain, qui a démarré en 2005 jusqu'à 2015, mais les résultats ne sont pas comme on l'attendait, ne sont pas à la hauteur des attentes. Donc, des inégalités socio-économiques persistent et se creusent. Ils concernent, on va les voir, on va se focaliser
par rapport à certains points, pas tous les points, le temps ne le permet pas, mais la question de la pauvreté et la vulnérabilité, la question de l'éducation à la santé, la question des inégalités urbaines-rurales. Et on voit que ces disparités touchent essentiellement les personnes âgées, les enfants, les adolescents, les personnes en situation de handicap, les femmes aussi. Et ce qui est très important au niveau de la jeunesse, c'est que, selon les dernières statistiques toujours, la jeunesse ou les jeunes entre 15 ans et 34 ans, qui représentent un tiers de la population, ils ont toujours le problème, des problèmes, de nombreux problèmes, comme les décrochages scolaires, le chômage, des emplois qui ne sont pas à la hauteur, qui ne sont pas qualifiés, des bas salaires, et surtout au niveau de la santé, l'absence de couverture sociale pour tous les jeunes. Donc, il y a des efforts, il y a pas mal. Chaque année, on essaie de couvrir une certaine tranche de la société, mais c'est insuffisant. Il y a aussi des inégalités au niveau de l'accès à l'éducation, la santé, l'emploi, qui sont des inégalités qui constituent des vecteurs qui creusent le fossé social. Comme je disais tout à l'heure, le Maroc est classé en 2017 à la place au rang 123e sur un total de pays de 188. S'il n'y a pas d'inégalité, et ces retards, plusieurs études ont expliqué que ce retard en termes de classement, en termes d'indice de développement humain, est dû essentiellement aux inégalités au Maroc. Donc le grand débat, et c'est un débat politique, scientifique, comment développer cette capacité des pouvoirs publics à garantir l'égalité des chances et des opportunités à l'ensemble des citoyens. En tant que chercheurs, nous nous engageons dans une recherche-action et les résultats de cette recherche, qui dans sa première phase vont être destinés aux décideurs locaux, parce que nous n'allons pas traiter sur tout le Maroc, nous allons traiter sur uniquement la région, la grande région de Marrakech, qui illustre très bien cette relation à premier constat, mais on va le prouver scientifiquement, les relations entre les inégalités socio-économiques et les inégalités environnementales dans un modèle spécifique. Surtout que dans cette région de Marrakech, il y a beaucoup de travaux. C'est une région pilote par plusieurs organisations nationales et internationales. Il y a plusieurs résultats par rapport à la question climatique, mais il faut du terrain pour comprendre les inégalités socio-économiques. Donc, commençons par la question de la pauvreté et la vulnérabilité. Donc là, quelques illustrations, quelques traits. Donc on voit bien l'évolution du niveau de vie par rapport à la consommation essentiellement des 10% des plus pauvres et 10% des plus riches. Et comme vous voyez, avec les statistiques, on a 1,6 million de population pauvre. On a 4,2 millions de personnes qui sont considérées comme des personnes vulnérables. Et la majorité de ces personnes pauvres, vulnérables, vivent dans les zones rurales. Donc la question du rural, la question de la campagne, l'importance de l'agriculture sont des questions qui sont au cœur de la problématique qu'on essaye de traiter. Le rural, c'est 80% de la population qui est pauvre et 60% de la population qui est vulnérable. Donc là, on voit bien que c'est juste quelques chiffres, mais pour les gens qui sont intéressés, il y a pas mal d'informations à partager. Mais la pauvreté, la vulnérabilité constituent la première préoccupation. Et ce qu'on trouve, ce qu'on constate et ce qu'on veut montrer, étudier scientifiquement, c'est là où il y a la pauvreté. La majorité des pauvres vivent dans des habitats qui ne sont pas, par rapport à la question de la résilience, ne sont pas suffisamment résilients. Donc quand on dit vulnérabilité, ils habitent dans des endroits qui sont fragiles, des endroits qui ne peuvent pas les protéger quand il y a des inondations, des événements extrêmes. Quand on traite changement climatique et pauvreté,
Donc là, ce sont les familles pauvres qui occupent systématiquement les terres les plus exposées aux dommages causés par les risques climatiques, là où il y a le risque de glissement de terrain, période anormale d'eau chaude, contamination de l'eau, les inondations. Et on voit aussi, c'est dans ces endroits où le changement climatique a le potentiel d'aggraver cette situation. Et dans un rapport récent, qui date de 2016 plutôt, deux ans, de l'ONU, on voit que, on constate, pas uniquement au Maroc, que la plupart des catastrophes liées au changement climatique que subissent les pauvres et les vulnérables ne sont pas dues à des accidents, mais sont dues à l'échec des politiques publiques à réduire les inégalités qui mettent à risque d'importants groupes de population. Dans un pays comme le Maroc, un pays en voie de développement, la question de l'adaptation il est prioritaire. Donc on parle tout le temps de l'adaptation, il y a des politiques, on a une stratégie nationale de développement durable qu'on essaie ces derniers mois de la transposer au niveau des régions. Mais quand on parle adaptation, on oublie certains paramètres. On oublie que d'étudier suffisamment le contexte et les spécificités territoriales pour qu'on puisse parler de projets d'adaptation. Si on ne connaît pas ces spécificités, si on ne comprend pas ces spécificités, on ne peut pas concevoir des bons projets d'adaptation. Un autre volet au niveau des inégalités, c'est les inégalités entre hommes et femmes. Et ça, c'est un sujet d'actualité aussi, parce que malgré les grands efforts en termes de sur la question des droits de la femme au Maroc, donc il y a un grand progrès, mais on voit qu'il y a des inégalités, surtout par rapport à la question de l'alphabétisation. Il y a un retard par rapport, si vous voyez dans les deux figures, on voit que les femmes sont les plus touchées par la question de l'analphabétisme et surtout quand vous voyez l'urbain et le rural, il y a un décalage des carreaux. C'est avec le changement du PC, donc le carreau c'est en bas, mais femmes, selon le milieu urbain, selon le milieu rural. Et sur l'ensemble, on voit qu'il y a vraiment les taux concernant les femmes par rapport à cette question de l'analphabétisme est très très importante. Toujours par rapport à cette question d'inégalité entre hommes et femmes, et cette fois-ci, l'évolution par année, on voit qu'il y a des retards. Un retard qu'on peut comprendre, qu'on peut expliquer par plusieurs paramètres. Et ça fait partie. Il y a déjà des travaux, mais on va introduire la question climatique pour expliquer ces retards. Autre illustration, par rapport au chômage, par rapport à la question de l'emploi, et on voit que finalement, même sur cette question de l'emploi, on voit qu'il y a des problèmes et des problèmes énormes par rapport au type d'emploi affecté aux femmes. Question changement climatique et femmes. Comme vous avez compris, c'est dans le monde rural où il y a le plus de problèmes d'inégalité, où c'est les femmes dans le monde rural qui sont les plus touchées. Parce que, comme dans la majorité des pays en voie de développement, les hommes sont en ville pour des travaux et des emplois qui ne sont pas toujours vraiment intéressants et décents. Mais ces femmes-là, elles restent et s'occupent de tout ce qui est le besoin du foyer. Et il y a, vous voyez à la fin, il y a aussi le risque de la déscolarisation des filles qui restent pour aider leur maman. Donc, pauvreté, vulnérabilité, la question des femmes, là, on arrive à la question de l'urbanisation. L'urbanisation, et ça, c'est un taux très important, parce que le taux d'urbanisation au Maroc est supérieur au taux moyen mondial. Donc, on a, en 2017, 61,9%.
Et cette urbanisation, il est dû à plusieurs facteurs. L'exode rural, le reclassement de certaines localités rurales, l'extension du périmètre urbain. Donc il y a plusieurs explications, mais on voit qu'il y a aussi plusieurs contraintes. Parce que qui dit l'urbanisation dit ville. Et des villes qui ne sont pas des véritables villes avec les infrastructures qu'il faut pour le développement. Quand on parle des régions, là aussi, il y a la question des habitats dans le monde urbain. Vous voyez la flèche bleue. Donc les bidonvilles, le sommaire, ça c'est là où habitent les populations les plus vulnérables et les plus pauvres. La question du monde rural, l'urbanisation, les villes, et vous voyez le taux d'urbanisation par région. C'est pas clair parce que c'est pris d'un document de Haut Commissariat au Plan, une institution chargée des statistiques au Maroc. Mais on trouve qu'il y a des régions où il y a vraiment le taux est très très élevé. On arrive à 93,4%. Le monde rural. Donc là, c'est là où on comprend qu'il y a des progrès, mais il y a aussi des déficits. Donc plusieurs efforts en termes de développement. Donc le rural, c'est 90% de la superficie, 39% de la population, 20% du PIB, 72% des besoins en céréales, 87% des besoins en lait. Il répond à ces besoins et il répond pratiquement à 100% des viandes dont on a besoin et des fruits et légumes. Donc le rural au Maroc est très important. La contribution dans le développement est très importante. Le gouvernement a mis en place plusieurs stratégies politiques et projets, mais comme l'agriculture reste le domaine le plus ou l'activité la plus importante, et comme cette agriculture elle est aussi vulnérable, donc on voit qu'il y a la vulnérabilité de l'agriculture qui impacte aussi le monde rural. Au niveau des inégalités, et c'est ce qu'on est en train de voir, c'est de les étudier par rapport au territoire. Donc ça c'est le territoire, c'est le Maroc, c'est la carte. On a 12 régions. Et vous voyez sur les 5 régions numérotées 1, 2, 3, 4, 5, sont concentrés les 3/4 du PIB, les 72% de la croissance entre 2001 et 2014, 70% d'entreprises qui sont créées et 70% de la population totale. Donc une forte concentration. Et si vous voyez aussi une forte concentration sur le littoral, donc c'est des villes de Tanger jusqu'à Essaouira, qui fait partie de la région de Marrakech. Là aussi, on voit qu'il y a une disparité par rapport à la question de la pauvreté par région et des efforts, des constats très importants, la forte concentration territoriale, les territoires ne sont pas pleinement employés. On n'emploie pas toute la capacité des territoires. La question d'âge, et ça c'est très important, c'est pour dire que il y a une similitude entre les régions. Par rapport à la question de la structure d'âge. Donc, dans ce travail, on parle de la vulnérabilité climatique dans les régions marocaines. Les régions marocaines ne sont pas tous similaires par rapport à la question de changement climatique. Vous voyez la question de l'aridité, la question de la distribution, et vous avez une idée sur l'évolution de la température. Donc, on essaie aussi de voir la question de littoral, qui est très, très vulnérable, avec, si on prend juste deux grandes villes comme Rabat et Casa, on comprend bien la vulnérabilité de littoral. La question des oasis aussi, dans le sud, la question de dépeuplement, la question de la vulnérabilité malgré l'adaptation des oasis au changement climatique au Maroc. La question de la migration climatique, donc. Et là, il y a un problème parce qu'on essaie de sédentariser les nomades, alors que ce n'est pas dans l'intérêt de les nomades n'ont pas l'habitude de rester stables. Donc, ils ont un mode de vie
qu'on essaie de changer. Et ça, c'est une problématique qui vraiment constitue une problématique d'actualité au Maroc. Enfin, l'objectif, c'est quoi? C'est de montrer que le changement climatique, puisqu'il est d'actualité, puisqu'il est dans l'agenda des autorités, on peut, comme chercheur, montrer comment le changement climatique peut être un levier pour la prise en compte d'enjeux globaux, mais dans l'action locale. Et c'est en se focalisant sur la région de Marrakech-Safi que nous allons montrer comment le changement climatique peut être, c'est les efforts en termes d'atténuation, les efforts en termes d'adaptation. C'est les politiques de lutte contre le changement climatique qui constituent ce levier. Donc, comme conclusion, traiter la question des inégalités de cette façon, en combinant et les inégalités socio-économiques, les inégalités environnementales, est un exercice très difficile. Mais il faut le faire. Parce que dans un contexte où on est très vulnérable, et puisque c'est l'adaptation qu'on nous demande, il faut bien qu'on arrive à comprendre ces spécificités pour comprendre les inégalités et par la suite trouver des solutions. Dans ce travail, on essaie de ressortir et des paramètres sociaux, des paramètres environnementaux pour changer cette logique économique dominante. Grosso modo, sont là les grandes lignes de cette question qu'on essaie de traiter. Et grazie per l'attenzione. Merci pour votre attention.